Eh bien, salut tout le monde, c'est Boussamki et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira sur le jeu qui s'appelle Tokitori. Alors c'est un jeu niveau graphisme, c'est joli et c'est un très très bon jeu. Il va falloir évoluer dans les niveaux et sauver nos fameux oisillons, on va dire que c'est des oisillons. Je ne sais pas par qui c'est créé, par qui c'est fait, excuse-moi. Mais ce que je sais, c'est qu'un très, c'est un très très bon jeu. Alors on doit, en gros, évoluer dans les niveaux et récupérer tous les œufs. Un jeu avec une bande son qui je trouve plutôt originale. Bon, bien sûr. Écoutez cette musique. Je vais me taire deux secondes et vous laisser écouter cette musique. Vous avez entendu? C'est vraiment une musique plutôt agréable. Donc c'est un jeu pour tous, toute la famille, hein, qui peut se faire jouer par tout le monde. Alors, si vous avez un enfant et que vous regardez cette vidéo, et bah achetez-lui le jeu, il passera des heures à s'amuser complètement en cherchant tous les petits œufs cachés dans différents niveaux plutôt jolis. Enfin, je trouve qu'ils sont jolis. Alors voilà, c'est très 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 simple. Hein. Je pense qu'en 2 heures de jeu, on aura fini tous les levels. Ça fait penser un peu à Angry Birds. Et il y a Tokitori 2. Donc je ferai peut-être une vidéo si je l'achète, je ne sais pas. À moi de voir, je vous ferai la surprise. Et je voulais vous parler de quelque chose qui concerne TF2. Donc là, alors, comment faire pour grimper là? Alors, je ne connais pas. Oula, petit bug. Oula, j'ai un bug. Pourquoi ça lag? Ah, c'est revenu normal. Bon. Ok, donc excusez-moi, je ne sais pas trop les touches. Hein. Ah, peut-être là. Ah, d'accord, on peut créer des plaques. Alors ça, je ne savais pas. Hein. Bon, chose que j'apprends. De toute façon, on a le temps. Ça fait 2 minutes que j'enregistre. Ah, fail. Ah, je suis mort par les monstres. C'est pas grave, on a le temps. Donc j'espère que ça vous plaira. Ah d'accord, ça revient en arrière. Ok, plutôt sympa. Hop, on crée notre petite planche. Et là, on continue. Alors, je sais pas si la bande son a changé, j'ai pas fait attention. Mais bon. Hop là, on récupère ce petit œuf et nous avons réussi. Alors, je vais essayer peut-être de faire une micro coupure pour faire tous les levels et vous montrer d'autres levels. Donc là, je fais encore. Bon, allez, jusqu'à 5. On va changer. Ah, c'est différent. Bon, on va changer. On va faire le 3. Il y a des bonus aussi. Et bien sûr, il y a d'autres niveaux. Donc, je vais essayer de débloquer Creepy Castle. Donc là, ce sera l'épisode 1. Je vais pas tout faire. Je vais aller jusqu'au level 5. Et j'espère que ça vous plaira. Sur Tokitori, je ferai différents épisodes de... Je me consacre à les 10 minutes. 10 minutes de vidéo, c'est plutôt sympa. On va aller jusqu'au 5. On récupère tous les 9. Attention à la grosse bébête qui est là-bas. On va essayer de... se faire tuer. Est-ce qu'on peut passer par là? Eh bien non. Alors je trouve que l'effet d'eau est vraiment bien fait. Hein. On va descendre. Ah, est-ce que j'aurais fait l'erreur de me bloquer? Alors j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Donc je verrai tout à l'heure. Bonne question. Parce que...
comment je fais? Donc, en gros, c'est simple, hein. En un clic, vous allez où vous voulez. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Voilà. On se complique pas la vie, on passe par là. On va jusqu'ici, jusque là, tiens, voilà, vite, dépêche-toi avant que notre bébête nous attaque. Et en gros, vous avez juste à, en un clic, vous allez jusqu'au point que vous avez sélectionné. La bande-son change, hein. Ils ont pensé à faire changer la bande-son, peut-être que dans l'autre niveau, elle changera aussi, à voir, après, c'est un bon petit jeu que je vous conseille, hein, indépendant. Bien sûr, je ne sais plus quelle est l'entreprise qui l'a créé. On va jusqu'à 5. Ouais, c'est bon, on a le temps. Je pourrais peut-être aller jusqu'à 6. Si j'en ai l'envie. Let's go! Nous sommes là. Alors, il y en a un là. On va le prendre. Et je pense, oui, je continue. Ah, d'accord. Alors que... Ok, on peut se télétransporter un peu à la mode portal. C'est plutôt sympa. Ah, je me suis bloqué. Ici, wouhou! Bien, j'ai fait un... D'accord. Alors, j'ai fait un fail. On peut pas créer de portail et tout de suite après créer une... Ah, quoi que, si, peut-être. Ah non, on peut pas changer. On a différents pouvoirs qui se débloqueront pour les niveaux. Plutôt sympa, hein. Je suis à 6 minutes. On est zen, on est tranquille. Je peux dépasser les 15 minutes, il n'y a pas de souci. Hop là. Là, il y a l'air de rien à voir. Bon, bah, à mon avis, c'est le dernier. Et écoutez-moi cette musique. Ah mince, c'est vrai que si je récupère le dernier, ça le fait pas. La musique était vraiment douce. On entend en fond... Les petits, les bruits de forêt, les oiseaux et tout. C'est vraiment un jeu qui me plaît. Ça change parce qu'en ce moment sur Call of Duty, j'ai essayé de faire un gameplay. Mais j'y arrive pas. C'est pas juste. J'essaye, mais je vais vous mettre vite fait. Ah non, non. Parce que je voulais mettre un court extrait de Call of. Mais s'il y a un... Ah, je ne peux plus l'utiliser. Ok. Bon, est-ce que j'ai fait une erreur? Parce que là, j'ai plus de... Ah ouais, j'ai fait l'erreur. Donc ça, c'est bien, on peut carrément... Ok, on peut carrément retourner... C'est plutôt sympa, hein. C'est pour tout âge, hein. C'est pour tout âge. La bande son est vraiment magnifique, hein. Je vous conseille ce jeu à tester, même si vous n'aimez pas, même si vous n'êtes pas friand d'indie game comme ça. Moi j'adore, je sais pas, c'est voilà, c'est tout con, on passe un bon moment, hein. Enfin, moi je passe un bon moment. Après. Comme ça, moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien profiter d'un paysage joli. C'est franchement graphiquement c'est joli. Et voilà, pour pas cher, on peut s'amuser. Hein. On va monter. On va attendre que la bébête. Attends, je ne monte plus au cas où si c'est pique me tue. Hi-ha, on est à la campagne. Et nous nous amusons super... Mince, j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. J'ai oublié d'aller récupérer celui d'en haut. Pff, oh là là, le pas doué. Donc voilà, vous voyez, vous en oubliez un, bah pas de soucis, vous allez chercher l'autre. Ouf, regardez, j'ai même une idée. Je vais passer par là, ce sera plus simple. Ah, la musique, franchement, je sais pas, mais... Ah, j'aurai pas le temps. Oui, j'ai réussi. Donc on est bientôt à 10 minutes de vidéo. J'espère que ça crachera pas trop dans le micro. Et nous avons réussi. On allons aller au suivant.
niveau au level 6, je crois, si je me trompe pas. Non, 5. Non, 6. Bon, allez, je me consacre encore 11 minutes de vidéo, pourquoi pas. Let's go! Donc là, je vais devoir utiliser deux barricades. Un téléportement et deux barricades. Donc je vais déjà faire confiance à mon instinct et partir en bas. Puis après je continuerai l'aventure tout seul. Puis on se retrouvera pour l'épisode 2. Bah, j'ai peut-être fait une erreur. Oh non, j'ai fait une bêtise, hein, c'est pas par là. Hop là, hop, hop là. Let's go. Ok, mon ami. Mince, fail. Ok, alors bonne question. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hop là, il y en a un là. Ah, peut-être ouais, je sais ce qu'il faut faire. Je me suis passé. Non! Pourquoi? Douce erreur de ma part. Hop, hop, on peut toujours. Ça c'est bien. Hop. On récupère ça. Alors bonne question. Je passe par là, je saute là. Je vais me dé... Mince, fail. Voilà, on accepte de ne rien faire tout simplement. Donc on va. Hop. Prendre celui-là. Se télétransporter. Voilà. On a compris. Donc désolé si je parlais pas trop. Et je vais finir l'épisode numéro 1 de Tokitori. Je vous en dis pas plus sur la suite du niveau. Hein. Je vous laisse découvrir si vous avez aimé ce jeu. Vous pouvez faire le 8, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 chez vous. Et moi je m'attaquerai à Creepy Castle, puis après à Sinistware. Donc là on était sur Forest Files. Et j'espère que ce petit jeu vous aura plu. En tout cas moi je vous dis ciao, bye. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à suivre mes autres vidéos. Donc, ça faisait une semaine que j'étais absent et j'ai bien profité de mes vacances. Donc j'espère que vous aussi. Allez, salut tout le monde !